Hello tout le monde, c'est Martin de la chaîne Stay by Will. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je vais faire du karting. Donc je remercie Morgan, qui est un ami à moi, qui m'a fait cette proposition et que je ne pouvais pas refuser évidemment. Donc là, on est au Sable d'Olonne. Donc je ne vais pas rouler sur ce petit circuit. On va aller faire du kart juste derrière. En plus de ça, je vais rencontrer Fabrice Dubois, qui est une personne qui est comme moi tétraplégique et qui était un petit peu un précurseur. Et Fabrice donc a un kart adapté pour tétraplégique. Et grâce à ça, je vais pouvoir faire du kart aujourd'hui. Donc je suis évidemment très heureux de cette expérience. Attends, parce qu'avec tout le bruit là. Donc je suis évidemment très honoré de déjà qu'il me prête le kart. Je remercie Morgan de nous avoir conviés. Je vais vous les présenter de toute manière dans la vidéo. Donc je suis évidemment très excité à l'idée d'aller retrouver un petit peu de sensation. Quand je suis content, je vomis. On se retrouve juste après l'intro. C'est parti, let's go. Donc là les amis, je suis avec Fabrice Dubois et Morgan Laveau. Donc on est tous les trois tétraplégiques, donc avec des tétraplégies différentes. Fabrice du coup qui conduit des karts adaptés et qui me fait l'honneur aujourd'hui de me prêter le sien pour que je puisse tester sur circuit. Il m'a même fait l'honneur de me prêter une combinaison. Là les garçons, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu rapidement ce que vous faites, etc. Fabrice Dubois, donc j'ai 57 ans, ça fait 18 ans que je fais du karting adapté en étant tétraplégique. Au moment où j'ai été un peu l'initiateur du handicap avec d'autres personnes et c'est un plaisir de pouvoir rouler avec ce beau kart Sodi et de rencontrer des gens merveilleux en l'occurrence comme aujourd'hui avec toi Martin et Morgan que je connais bien qui est champion d'Europe handicap. C'est ça, c'est que je suis qu'avec des champions, il n'y a que moi qui n'en suis pas. Tu vas le devenir. Bon, moi c'est Morgan Laveau, du coup j'ai 34 ans. J'ai fait du karting quand j'étais valide, donc quand j'étais enfant. Ça m'a coûté beaucoup d'argent et plus d'argent à mes parents encore. Ils m'ont dit stop le karting. Et quand j'ai vu ce qu'on pouvait refaire après, quand on était en fauteuil roulant et qu'on pouvait reprendre le karting, je m'y suis mis. Avec l'aide encore une fois de Sodi Kart qui m'a gentiment prêté, voire même donné un karting avec Gilda qui était là pour nous, avec Fabrice aussi à l'époque. Exact. Grâce à Gilda, on a pu découvrir le karting. J'ai eu la chance la deuxième année de ma participation au karting de faire vice-champion de France de karting. Et l'année dernière, j'ai gagné le championnat d'Europe de karting, donc handicap. Et avec des participations aussi sur des courses avec des valides où Fabrice et moi, on a la chance de pouvoir rouler parce que notre fédération nous le permet. Et ça, c'est aussi une belle récompense pour nous. Et Fabrice est assez humble dans ses propos, c'est que c'est lui qui a vraiment poussé le handicap et qui le pousse avec d'autres personnes aujourd'hui en France. Mais la médiatisation, elle passe beaucoup par Fabrice parce qu'il a une communauté et il permet de pousser plus loin les limites du sport auto adapté. Je suis très content de partager ce moment avec les garçons. Voilà. Donc moi, ce que j'ai envie de savoir un petit peu, Fabrice, c'est comment on conduit ce kart. Parce que pour le coup, tu as des adaptations. Et alors, que tu m'apprennes un petit peu avant de prendre la route. Donc il y a une direction assistée électrique. Ensuite, on met la main dans la petite fourche ici. Ok.
avec une petite rallonge pour démultiplier le volant, pour le rendre encore plus facile à tourner. Okay. Ensuite, on a un petit manche ici à la gauche, donc qui nous permet de freiner en le poussant. Et quand je tire vers moi, j'accélère. D'accord. Ok. Donc voilà, toutes les manœuvres sont là. J'ai vu aussi qu'on te scotchait les mains. Alors on me scotche les mains parce que comme j'ai pas de force dans les doigts, ouais, donc ça me permet d'être accroché au karting. Et on va t'attacher aussi les jambes et des attaches de snowboard pour attacher les pieds. Ok, des attaches de snowboard. Voilà, c'est un grand honneur déjà pour moi d'être avec vous et de te faire, bien sûr, essayer ce fabuleux karting, que tu puisses découvrir un petit peu ce que c'est qu'un karting de compétition. Toi, tu es vice-champion du monde, c'est ça? C'est ça. Donc là, en fait, je vais faire un tour de piste avec Anthony. Ouais, c'est ça. Vice-champion du monde. Rien que ça. Attends, laisse-moi faire. Tu dégages! Je te laisse faire. Ouais, je vais, parce qu'en fait, je mets d'abord le cul. Okay. Je mets d'abord le cul et après, je passe les jambes. Avec Martin, c'est souvent une histoire de cul. Là, on va pas faire beaucoup de tours, pardon. À peu près 50. Lui, il va me mettre en PLS. Mais non. Non, c'est un kart à la base, on emmène des enfants de 4 ans dedans. Ah! Je suis dans mon élément alors. Écoute, trop bien. Après, j'avais déjà fait du kart électrique, du thermique, j'en avais pas refait. Donc là, c'est cool. C'est un peu un honneur parce que vice-champion du monde, quand même, il y a pire comme personnes qui peuvent t'accompagner à ce moment-là. Donc là, j'ai pu découvrir le tour et puis ça va être mon tour avec le kart de Fabrice juste après. Faut que tu me mettes les chaussures. On y va. Il va me mettre les chaussures. Bah, je me suis pas fait peur, mais en fait, c'est que faut réussir à gérer ça en même temps. Ouais, mais. Le frein, ça, tout est sensible de ouf. Mais par contre, les sensations sont incroyables. C'est vrai? Ah ouais, c'est un délire. Ah, tant mieux, c'est top. Donc, Morgane, toi qui connais un petit peu, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement quelle catégorie il existe, comment ça se passe un petit peu le handicap? Alors, on connaît tous les deux aussi bien les choses. Il y a deux types de catégories en fait dans le handicap. Il y a les H4, donc c'est des personnes qui sont, on va dire, des vrais tétraplégiques. Parce que, avec la débat là-dessus. Avec l'assistance électrique et exactement, voilà. Donc des personnes qui ont besoin de au moins accélérateur frein à la main. Après on a des H2 qui sont plutôt comme moi, donc nous on a juste l'accélérateur et le frein au volant. On n'a pas besoin de cette surassistance. Et en fait dans les championnats qu'on fait, il y a vraiment ces deux classements là.
Et après, il y a un classement scratch qui permet de classer tout le monde dans le sens d'arrivée d'une course. Donc en championnat handicart, il y a principalement le championnat de France handicart chaque année et le championnat d'Europe qui a été mis en place dernièrement. À savoir qu'on peut rouler aussi et avant tout en loisir. Donc il y a des pistes qui nous permettent de le faire, comme aujourd'hui l'île d'Olonne chez Mécamax. Chez Mécamax, qu'on remercie d'ailleurs. Ouais, qu'on remercie. Parce que c'est grâce à eux qu'on peut faire cette vidéo aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui on a pu nous faire tester à Martin d'abord un kart de loisir et puis après un kart de compétition. Et ça, c'est grâce notamment à Anthony Abbas qui a un beau palmarès. Depuis peu cette belle piste. Qui est un super palmarès. On a cette chance-là aujourd'hui de bénéficier de ses conseils et de sa piste et de son staff. Merci à lui. Donc le but des vidéos, c'est aussi de vous transmettre de l'information. Et justement, Morgane, ce qui peut être cool, c'est d'inviter des personnes peut-être tétra ou para à pourquoi pas essayer, ne serait-ce qu'essayer, ne serait-ce que de retrouver des sensations comme j'ai pu le faire aujourd'hui. Clairement, on le fait. Là, on a des personnes qui viennent essayer aussi. On a cette chance de pouvoir avoir la piste à disposition. Mais viens. Humit a fait la connaissance du karting aujourd'hui aussi. Donc on peut inviter des personnes à partir du moment où il y a un minimum de sensibilité avec le sport auto. Il faut savoir que ça ne coûte pas des centaines de milliers d'euros. On peut se faire plaisir sur des pistes comme aujourd'hui qui sont adaptées. Donc je leur dis Mécamax. Près des Sables d'Olonne en Vendée, vous pouvez venir. Si quelqu'un veut essayer mon kart, qu'il contacte Martin ou Morgane ou moi-même et on fera les choses. Parce que c'est ça aussi qui est un peu plus compliqué, c'est que c'est vrai que quand on n'a pas les mains, quand t'as les palettes au volant, quand t'es para, tu peux faire des choses et c'est plus facilement adaptable. Et c'est vrai que pour nous, ça devient tout de suite un peu plus compliqué. Ouais. Donc c'est super que Fabrice se propose de ça. Mais attention, parce que tu vas avoir du monde du coup. Ça sera toujours un plaisir. Bon c'est cool. Donc là je suis avec Humit, donc c'est très très cool parce que Humit on se connaissait pas et Morgane on a pu se rencontrer. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu tes sensations du coup aujourd'hui? Ouais, alors j'avais jamais fait de kart avant et donc là je dois avouer que c'est vraiment des super sensations. On est à ras le sol, on a vraiment une sensation de vitesse. Alors je sais pas si j'allais vraiment très vite. Ouais. En tout cas... Mais déjà t'as le plaisir de retrouver. Le plaisir de retrouver et c'est sûr que... Je pense que j'en refais, je suis convaincu. Ouais. Mais c'est ça aussi qui est cool, c'est que c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que en fait des fois il y a des choses qui existent, mais on ne les sait pas nécessairement. Bien avoir un kart. Et c'est tout le but de ces échanges et de ce qu'on fait là, c'est de montrer que y a plein de possibilités finalement et qu'on soit en fauteuil ou pas, on peut faire plein de choses. C'est ça, c'est important de partager aussi bien aux personnes handicapées qu'aux personnes valides. Bon journée de karting terminée, c'était juste incroyable. Bon, je pense qu'il y aura des petites pépites en vidéo où je me suis un petit peu loupé. Le kart est vraiment puissant, donc ça va, j'avais pas spécialement d'appréhension. Je pense que je m'en suis plutôt bien sorti, donc je suis content. Et puis bon, l'expérience en elle-même était super cool. Donc c'était la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager autour de vous. C'était Martin de la chaîne Stay By Will et je vous dis à très vite. Salut tout le monde, ciao ciao. Thank you.